Hello tout le monde, ici Ace21 et aujourd'hui je joue la ronde 4 du Doubles Super Bowl. Je joue encore Doubles LC et aujourd'hui je joue contre Syndakill, qui est un vraiment bon joueur de Doubles français. Et ce que je vais jouer une team pour une fois, une team, ben c'est une nouvelle team mais qui prend des anciennes idées là avec Scarf Mudbray. Et Ghastly, la combinaison de ces deux-là, devrait être vraiment forte. Oh, attends, parlant de ça, une minute. Bon, voilà l'ordre optimal des Pokémon. Ok, donc je vais challenge et je vous reviens quand la partie commence. Ok, donc nous sommes in-game. On va voir ce qui, de quoi ça a l'air. Archen, Meowth, Gothita. Ok, Goth, c'est intéressant. Il n'y a pas de Trick Room en vue, ce qui est nice. Il n'y a pas de Spore Absorber non plus, donc Fungus pourrait avoir genre un Free Spore quelque part. Là, mon Scarf Mudbray, il y a un Archen qui est dans le chemin. Archen, c'est quand même chiant parce que mon Wingo, il n'y a pas Scald, donc ça va être un peu chiant de jouer contre ça. Mais je pense que je peux lead Mudbray, puis peut-être pour voir le surprendre son Meowth. Comme ça va être vraiment... Ça va être vraiment bon pour la suite de la partie, la suite du match. J'assume qu'une Mudbray peut tuer Meowth. Right. Earthquake en doubles, ça tue pas. Fait que je dois High Horsepower. Peut-être que c'est Violite, mais j'en douterais, mais bon, c'est pas impossible. Est-ce que Shadow Ball de Ghastly tue Archen? Ça, c'est une bonne question. Shadow Ball, ça ne tue pas Archen. Mais si c'est pas 76 def, SP def, ça tue 55% du temps, c'est pas assez. Fait que peut-être Mudbray et genre un Wingo. Wingo, je peux menacer le Archen assez. En fait, je peux faire Protect puis Rock Slide si je vais. Je vais juste aller pour ce lead là. Oh, Goth directement. Intéressant. C'est sûr que je vais pas cliquer Stealth Rock. probablement Earthquake ici. Si je peux attaquer les deux. Puis aller pour un protect sur le Wingo. Je pense que ça aurait du sens. Surtout, je vais éviter le fake out. Ok. Nice. Ok, ça c'est Violite. Ok, Earthquake. Earthquake devrait tuer les deux. Puis je pense que j'ai un free Tailwind ici. Je sais pas c'est quoi la vitesse de son Gothita. T'as l'air de quoi? C'est-tu Scarf ça? Moins 15? Non, mais si c'est Scarf, ça devrait être plus rapide que moi. Aussi, à moins que ce soit un Tai. Si c'est un Tai, ce serait un peu chiant. Mais moi, j'ai pas le choix de cliquer Earthquake de toute façon, là, fait que. Ça change pas grand-chose. La différence, c'est qu'il peut aller à quelque chose sur ce. Oh! Le crit! Non! J'étais sûr que ça tuait pas sans le crit. Je suis sûr que ça tuait pas sans le crit. Meowth. Une zéro. Ça, c'est un Life Orb Technician, by the way. Fait que sans le Life Orb, 25, 6 damage. Moi, ça fait combien? Ça fait 9, yo! C'est chill. On va aller. J'ai un Tailwind. On va aller pour un. Je pense qu'on va aller Ghastly ici. Puis juste aller Poniard. Sur le. Oh non, je peux pas aller Poniard sur le Wingo. Parce qu'il y a le freaking Gothita. Oh, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant.
Il va feint le Wingo maintenant, je pense. Feint, ça fait combien sur le Wingo? Wingo. On va assumer qu'il va pas crit une deuxième fois. Feint, ça fait 7. Moi, je suis à 8. Fait que je devrais survivre. Ça, c'est Adamant, en plus. Je sais pas pourquoi c'est Naughty, là, mais bon. Fait que feint, ça devrait. Je devrais survivre à feint. Puis là, je peux juste. Ok, je vais aller Ghastly ici. Juste aller pour un Sludge Wave. Ça devrait tuer les deux. Puis moi, je vais protéger le tech sur le Wingo ici. Je peux pas switch out, non? Non, ouais, je peux pas switch out. Oh, what the fuck? Vais juste cliquer protect quand le. Oh my god. Je suis tellement cave! Oh, ok. C'est fucking. Oh, je me suis fait tellement chier. Oh my god. Sure, mais là mon Wingo est mort, mais okay, whatever, c'est pas la fin du monde là. C'est pas la fin du monde, j'ai juste gaspillé un tour de Tailwind en plus. Ce misclic qui était tellement. Doubles moment. Ok, on va aller Poniard ici. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Mon Ghastly a encore l'air vraiment fort. Mais si j'avais un tour de plus de Tailwind. Oh. Oh, je suis Defiant en plus. Je suis même pas Inner Focus. Ah, oh, j'aurais dû être Inner Focus. C'est chill. Il va fake out là. Je peux Psychic le fou. Puis si je Psychic le fou, est-ce que j'ai une façon de gagner après? Je pense que je vais aller ça, puis je vais protéger mon Poniard ici. Parce que Ghastly, ça outspeed encore tout, fait que je vais aller faire ça, ouais. Oh, nice play. Qu'est-ce qui s'est passé? Fake out, yep. Là, je vais spore quelque chose. Je peux spore le. Il va peut-être knock. Je pense pas qu'il va close combat direct parce que je peux rage powder, right? Je pense que je vais spore le coughing en fait. Et là, s'il knock le pawn, ce serait vraiment surprenant, mais ce serait un super bon play de sa part. Non, je pense que je peux mettre Ghastly ici. Oh, ça fait absolument rien. Ça fait absolument rien. Ok, nice. Ça, c'est bon. Je peux Rage Powder encore ici, fait que c'est chill. Je peux Rage Powder puis Psychic le fou. Je pense que ça devrait tuer le fou. Est-ce que je veux Rage Powder? Genre au cas où que ça tue pas le fou? C'est quoi les chances que ça tue? Je pense que ça tue pas le fou si c'est Special Defense, fait que je vais juste être safe puis je vais Rage Powder ici. Sure. Minus for death, ok. Je peux aller pour un fake out sur le mag. Puis là, s'il protect, ça veut dire qu'il n'est pas scarf. Juste fake out ici. Je vais aller pour le psychic sur coughing. Ok. Ça fait tellement de damage, c'est quoi ce mien de fou là?
c'est correct parce que là je peux juste sacker le Minfu puis je peux knock off le Koffing, ça devrait tuer les deux. Ok, sure. C'est juice. Fait que c'est pas Scarf, ce qui est très bon pour moi. Très très bon. Là, il y a le Archen. Ok, là, c'est qu'est-ce que je suis censé faire ici? Je sais que Shadow Ball ne tue pas le Archen. Mais je veux pas qu'il Tailwind non plus. Je pense que Close Combat de Mianfu ne tue pas Archen, right? Ouais, ça se tue pas Archen. C'est un peu chiant l'ordre des coups parce que... Ouais. Si je veux tuer le Archen, je vais devoir genre... je vais devoir Sludge Bomb ça ou quelque chose pour que Mianfu le tue. Ah, je peux pas Sludge Bomb, je fais Psychic. Ah, mais Psychic ça tue pas, hein? Gastly, ça va pop, Psychic ça va pop le juice. Oh non, c'est terrible. Peut-être que je peux juste ignorer. Je pense que ma meilleure solution, c'est peut-être juste d'ignorer le Archen. Puis de double attaquer le Magnemite ici. Je vais Close Combat le Mag. Puis je vais Psychic le Mag. Ok. S'il bat Tailwind, j'ai peut-être une chance encore. Parce que j'ai l'impression que je veux pas l'empêcher d'aller Tailwind. Sure, ok, ça me dérange pas. Attends, mais là, le Mianfu, il devrait mourir de Psychic ici. Fait que je peux juste, probablement juste, knock. Iron Head, ça va tuer for sure, right? Poniard, Archen, Iron Head, ça tue, c'est sûr. À moins que ce soit Violite. Est-ce que Violite, ça tue presque? À ce point-là, À ce point-là, non, Iron Head, c'est toujours meilleur que... Puis là, je peux juste Psychic. Le Mianfu. Nice. Attends, mais... est-ce que c'est actually a Violite? Ok, c'est Violite. Ok, sure, mais là je peux Iron Head parce que là il est dans Defeatist. Il devrait pas pouvoir me tuer. Bon, ça c'était une game. Le misclick a tellement... aurait tellement pu me coûter la game. Oh my god. Ok, c'est chill. Je pense qu'on a ça dans le sac. Ouais. GG. Ah. Bon, pour une fois, une game avec laquelle je suis plus ou moins satisfait. Ça aurait pu aller mieux, mais ça aurait pu être pire. Ok, je vais... Bon, c'est ça la ronde pour... La ronde 4. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser... Un j'aime et de s'abonner et vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait encore. Et sur ce, je vous revois
dans la prochaine vidéo.